nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, il renouvelle la face de la terre. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 novembre, Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Le message de la persévérance dans la foi nous est donné aujourd'hui. Persévérez dans la foi pour garder notre vie. Bien-aimés de Dieu, nous vivons dans un monde de plus en plus hostile à la foi chrétienne. Nous vivons dans un monde qui prend l'Église, qui prend Dieu, qui prend la parole de Dieu comme adversaire, comme ennemi à abattre. Les enseignements de l'Église sont souvent tournés en dérision. On se moque souvent des chrétiens, on se moque de l'enseignement de l'Église. Et les erreurs de certains chrétiens, qu'ils soient des pasteurs ou des fidèles, sont amplifiées. Et cela est vu aux yeux de tout le monde. On empêche, dans certains milieux, beaucoup de chrétiens de vivre librement leur foi. Il y a beaucoup de pays dans lesquels aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas librement se rassembler. Ils doivent se cacher. Ils doivent trouver des moyens pour pouvoir exprimer de façon clandestine leur foi chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, la pandémie de la COVID-19 actuelle dans laquelle nous sommes a donné des élans de totalitarisme à certains gouvernants qui veulent imposer certaines choses. Je prends l'exemple du pass vaccinal que certains gouvernants voudraient imposer. Imposer avant d'entrer dans les églises, c'est bien dommage. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des réalités que vivent certains chrétiens dans certains pays. Ce ne sont pas des pays lointains, mais des pays africains. Et c'est bien dommage. Les chrétiens souvent sont vus dans certains milieux comme des dangers. Des dangers donc qu'il faut le plus rapidement possible abattre. Frères et sœurs, le danger est réel et présent dans nos différents milieux de vie. Le danger est réel et notre maître nous met en garde, nous le savons déjà. Il nous met en garde que le monde sera contre nous. Nous serons persécutés, nous aurons beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas notre persévérance, ce n'est pas notre fidélité au Seigneur, ce n'est pas notre fidélité à la foi et à la parole de Dieu que nous aurons la vie sauve. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle donc à persévérer, à ne pas nous décourager, à ne pas baisser les bras face à ces difficultés. Quand je reviens sur l'exemple du pass vaccinal qu'on voudrait imposer dans certains pays, il y a des chrétiens qui disent, mais si c'est le cas, bon, allons rester à la maison, ne venons plus à l'église. C'est bien dommage de penser ainsi. Au contraire, nous devons rester vigilants. Au contraire, nous devons rester mobilisés pour dire, notre foi, elle est première, elle est primordiale pour nous. Et nous devons tout faire pour la sauvegarder. Nous devons tout faire pour la défendre. Que le Seigneur nous donne la grâce d'une foi qui résiste à toutes les intempéries, à toutes les persécutions, à l'image des tout premiers chrétiens qui ont résisté dans la fidélité au Seigneur, dans la fidélité à sa parole, dans le témoignage de vie de chaque jour. Et certains même ont dû verser leur sang. Que le Seigneur nous donne cette grâce de la fidélité, lui qui est notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.